c'est un rôle assez complet. En termes de tâches, on a le suivi de chaque étudiant chez les deux E-Tech Academy. J'ai aussi donc le rôle d'accompagner, donc on va dire, donc chaque participant quand il a des besoins, quand il a des soucis, quand on va dire donc à résoudre donc des problèmes qui peuvent être les siens pendant son parcours. Je suis le multicasquette, on va dire, entre guillemets, en tant que formateur. Je suis sur donc les TSSR. Donc, on va dire l'équivalent du Bac plus 2. J'ai aussi effectivement donc les modules de cybersécurité, donc sur lesquels j'interviens de manière générale. Et plus le module, on va dire, de cloud, on va dire, qui est aujourd'hui assez présent dans chacun des parcours qu'on délivre effectivement chez les E-Tech Academy. On a vu donc des personnes effectivement évoluer. On a vu des personnes qui n'y croyaient plus. On va dire pour eux c'était un peu donc la dernière chance. Et j'avoue que aujourd'hui je les rencontre, on va dire dans le cadre de leur activité professionnelle dans les sociétés donc ils ont intégré, qui sont donc des chefs de projet, qui sont des ingénieurs commerciaux, qui sont effectivement on va dire donc des gens qui ont pris donc de la confiance. Et aujourd'hui c'est notre fierté. C'est effectivement ce qui nous motive tous. On va dire c'est de voir qu'on a réussi à recréer, on va dire, donc cette confiance en soi auprès de nos candidats et nos stagiaires de manière générale. Je reviens toujours donc au même mot, c'est la motivation et la volonté. Il faut donc toujours croire en ses objectifs et de dire, je ne décroche pas, j'y vais et j'y arriverai.